Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo achat-vente d'items. Vous avez vu maintenant, d'abord j'achète et après je commente parce qu'une fois je me suis fait acheter un item sous les yeux pendant que j'étais en train d'enregistrer ma vidéo, je m'en suis toujours parmi. Donc on commence avec l'achat d'une alliance de Pandamonium. Ça faisait longtemps que j'en voulais une, je voulais un Overforce PA, j'y tenais. Je l'ai enfin trouvé ici à 19 millions, voilà, ça fait quelques semaines que je passe régulièrement HDV pour regarder ce qui traîne. Et je trouve que ce jet est vraiment très correct, je suis assez agréablement surpris de l'avoir trouvé. Il manque un dos neutre, mais c'est pour jouer sur du mode terre, full dégâts PVM réseau sur un SRAM. Donc je vais taper full terre, donc le dommage neutre ne me pose pas de soucis. Et on a ici sur un jet qui est vraiment très très bon. Voilà, on a les 15 répous, la sagesse on est à 15 sur 20, c'est correct. On a la perf vita, on a une bonne initiative, vraiment. C'est un jet tout à fait intéressant et je suis très content de l'avoir trouvé. Ça vient compléter un de mes modes SRAM PVM. Achat d'un Dofus acheté à 16 millions de Kama pour aller sur un steamer haut terre retrait PM, PVM. Hop, voilà, je commence à acheter les Dofus qui me manquent pour combler mes stuff PVM. On va avoir pas mal d'achats de Dofus qui vont s'enchaîner, je pense. Achat d'un Bulbizou niveau 100 pour aller sur un Yopter PVM. Voilà, je commence à combler petit à petit les trous qui me manquent dans mes stuff. Jusqu'ici, je laissais en fait non complété dans mes stuff PVM, tous les items non forgemageables. Et là, j'ai pas mal de Kama, j'ai un peu plus de 300 millions cash là. Et du coup, j'en profite pour combler un petit peu. Et on peut acheter déjà tout ce qui me permet de cocher des cases dans mes stuff pour que je puisse avancer en PVM. Non, c'est pas possible, on me donne l'avantage de mes rêves. Mais. Ouais, je suis choqué. Ouah! Bah merci beaucoup, je suis ému, je suis touché. Waouh, ça c'est big. Alors pour remettre un peu le contexte, là je suis sur Elmina, donc c'est pas mon serveur, moi je joue sur Imagiro. Et j'essaie depuis quelques temps de monter sur chaque serveur une mule avec tous les métiers de forge et magie pour pouvoir faire de l'AFM partout. Et là du coup tous les kamas que j'ai ici c'est des abonnés qui me les ont donnés pour que je puisse monter mes métiers, donc ça m'embêtait un peu parce que là j'ai trouvé une montage qui correspond exactement à ce que je veux pour aller sur mon Roublard RPVM de ma team Panagriff. Mais ça m'embêtait de l'acheter avec des kamas qui m'ont été donnés par des abonnés dans le but de monter mes métiers. Ça aurait pas été correct par rapport à ceux qui me les ont passés. Et bah là, merci beaucoup à Morgoth qui vient de me l'offrir, c'est... Waouh, c'est énorme. Bah écoute, un grand merci à toi, je suis touché, vraiment, ça me met trop trop bien. En plus, ça faisait longtemps que je rêvais d'avoir une montage comme ça, le Perfagi parfait pour du PVM. Merci beaucoup, tu me fais un magnifique cadeau, c'est super. Vente d'un Dolmen Axe à 9 millions 4, j'avais oublié que j'en avais en HDV, donc bah, ça me fait plaisir de voir ça pop dans le chat. Ça régale. Deux petites ventes en HDV pendant mon absence. On a ici une amulette de l'œil attentif en moins de sagesse, 3% R, vendue à 18 millions, voilà, qui a un prix plutôt correct. Je me suis demandé à quel point il fallait mettre ça cher ou pas. Avec toujours cette petite hésitation sur les prix de vente des items maintenant, notamment à PA, qui est que. La méta actuelle a plutôt tendance à encourager les Overvita, en tout cas c'est ce qui est de plus en plus recherché par les joueurs PVP, et du coup au détriment des exos pour 100 res. Donc j'ai tendance à dire que maintenant, les exos pour 100 res valent un peu moins cher qu'il y a quelques années. Bon, ça pourrait se discuter, mais voilà, on a globalement plutôt une tendance à chercher des Overvita, dommages sorts, des machins comme ça sur les items, et un peu moins des exo res que par le passé. Donc là ici j'ai mis ça à 18 millions, et ce qui me fait assez rire c'est que... J'ai eu un message dans le chat il y a un jour ou deux d'un abonné qui a apparemment acheté une autre amulette de l'œil attentif que j'avais vendue, qui devait être en 3% feu et avec 49 de sagesse et tout le reste perf pareil. J'avais dû la vendre une vingtaine de millions, et il l'a revendue à 30 millions. Donc je me dis en vrai il y a peut-être encore de la marge. J'aurais peut-être pu vendre ça un peu plus cher. Bon voilà, ça se discute. Si vous avez un avis sur tout ça, n'hésitez pas à commenter. Et ici on a un colis du Valet Vénard, over 90 vitalité, moins 1 sagesse et sans le PO. Vendu à 4 millions 5, voilà, bon c'est modeste, mais c'est quand même cool, sur pas mal de modes ça peut se jouer sans la portée, notamment sur des classes mêlées qui vont vouloir de la vitalité, Sacrieur ou Jinak, des choses comme ça. Voilà, deux petites ventes qui me mettent bien. Jolie vente d'un chapoulpe à 9 millions de Kama, on est ici sur un jet pour son dommage au sort en rune transcendance, plutôt axé agilité, enfin équilibré en fait terre-air, mais sans les dommages neutres, et sans le retrait PA. Donc pas pour être joué sur un Feka Terre Retrait, comme on le voit parfois pour cette panoplie, moi je m'en servais plutôt sur des modes R, en l'occurrence du Sacrieur R et de Loginac R principalement. Voilà, une vente à 9 millions, c'est un item à PO, il y a deux lignes négligées, mais pour le reste c'est très très propre.
Bah ça fait plaisir. Petite vente qui me permet encore une fois de faire du ménage dans mes items. C'est des jets qui sont tout à fait clean et jouables quand le mode est adapté, mais qui sont pas non plus très compliqués à faire, donc dont je peux me séparer sans trop de soucis, et puis si un jour j'en ai besoin, je pourrais me les refaire sans aucun souci. Voilà, c'est la fin de cette vidéo d'achat-vente d'items, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter, j'essaie bientôt vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt.